Le monde d'aujourd'hui est rempli de manipulateurs et de manipulatrices. Tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, vous allez toujours croire que vous avez un problème. Il y a des hommes et des femmes dehors qui sont acteurs, mais à un degré pas possible. Ce sont des assassins de sentiments, assassins de sentiments. C'est des personnes sans pitié, c'est des personnes méchantes parce que ces personnes-là arrivent à rester en couple avec des personnes qu'elles n'aiment pas, mais elles vont quand même réussir à vous faire croire que le problème, c'est vous. Et pourtant, au fond d'eux, ils savent qu'ils ne vont aller nulle part avec vous, que vous n'êtes pas la personne qu'ils recherchent, mais ils vont réussir à vous faire croire que vous avez un problème, que vous ne faites pas bien les choses, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez gentil, assez serviable. Ils vont réussir à vous faire douter de vous. Soyez conscient dans tout ce que vous faites. Ne vous oubliez pas. Vous avez le droit de dire merde quand vous n'êtes pas content. Vous avez le droit de vous énerver. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de reprocher des choses à la personne qui partage votre vie. C'est normal. Si quelqu'un vous fait comprendre que c'est à cause de votre caractère qu'il se comporte ainsi, demandez à cette personne de partir. Parce que tu ne peux pas rester avec moi sachant que j'ai un sale caractère en fait. Pourquoi tu restes avec moi alors que tu sais que j'ai un sale caractère? À chaque fois que je fournis des efforts, tu te calmes quand ça t'arrange, mais après tu reprends. Soyez sage, soyez intelligent. Même quand vous allez trouver la bonne personne, croyez-moi que si cette personne est acteur, lui aussi, il va quand même réussir à vous faire douter de vous parce que on vit dans la jungle. C'est les plus forts qui dominent en fait. Donc, acceptez d'être dominé. Mais n'acceptez pas d'être traité comme il ne faut pas. Parce que quelqu'un qui te domine, tu vas accepter qu'il te domine parce que tu sais qu'à côté, il y a peut-être des intérêts communs. Tu te dis, bon, je laisse croire ce qu'il veut. Mais à côté, vous ne perdez pas votre identité, vous ne perdez pas votre personnalité. Il y a des gens qui sont mortes vivantes, des femmes et des hommes qui ne servent plus à rien. Ça veut dire que quand une personne bien se présente devant eux, ils n'arrivent pas à voir la personne. Pourquoi? Parce que dans leur tête, on a réussi à les faire croire qu'ils ne valaient rien, qu'ils ne servaient à rien. Ces personnes-là ont réussi à les faire croire qu'à part eux, ils ne peuvent pas trouver mieux. Et pourtant, il suffit de tourner la page. Mais ce n'est pas facile de tourner la page. Restez vous. D'accord? Si quelqu'un vous aime, il va vous accepter tel que vous êtes. Si vraiment vous avez des défauts, cette personne va vous aider à les améliorer tout en vous laissant comme vous êtes parce que vous avez votre histoire. Et c'est à cause de votre histoire que vous êtes la personne que vous êtes en ce moment. N'acceptez pas de changer juste pour faire plaisir.